Les bols. Les paumes. Il était une fois une monnaie unique partagée aujourd'hui par 187 millions d'Africains. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Née du système colonial, elle est aux origines conçue pour le servir. Franc CFA. La monnaie a une histoire et elle dit un lien avec la France, avec l'expuissance franc coloniale qui n'a pas été rompue. Parce que celui qui contrôle la monnaie contrôle la production, contrôle l'échange, contrôle la consommation. On ne peut pas comprendre l'histoire du CFA si on ne comprend pas de l'autre côté l'histoire de l'insertion primaire de l'Afrique au sein du commerce international. C'est exactement la même histoire. C'est un legs historique, c'est un héritage empoisonné dont il faut se séparer. L'Afrique, tout le monde dit, c'est le continent d'avenir. Moi, je suis toujours tenté de poser la question, pour qui? Est-ce que c'est le continent d'avenir pour les Africains ou est-ce que c'est le continent d'avenir pour l'Europe, la Chine, les États-Unis, pour la France, qui a une histoire avec l'Afrique, une histoire coloniale, qui n'arrive pas à couper le cordon ombilical. Par quel bout la prendre cette histoire? Qu'est-ce que le franc CFA? Et c'est quoi la monnaie? Les bols. Ouais, les bols. Madame Bock.